Les anciens salariés de l'usine Morilex étaient venus crier leur indignation suite à l'annonce de l'attribution d'un parachute doré à son PDG, Monsieur Jacques Mercier. Monsieur Mercier, une déclaration ? Non, j'ai rien à vous dire. Je vous ai dit aucun commentaire. Dans la soirée, le sénateur Thierry Cortal s'est rendu sur les lieux de l'affrontement. Nous l'écoutons. De tels débordements de violence sont inacceptables. J'en appelle au peuple français pour qu'il condamne sévèrement ces actes. Bon, on perd pas de temps, là. Il faut faire peur au terrorisme. Très heureux d'être ici avec vous. Terreur. C'est moi qui vous remercie. Terrorisme. Il faut faire peur au terrorisme. Myriam ? Oui, monsieur. Excusez-moi, Myriam. Allô. Cortal. On a Jacques Mercier en otage. On attend, écoute-moi bien. Tu vas nous verser l'intégralité de son parachute doré, ou alors je te préviens. Écoutez-moi. Vous n'aurez rien. Bien compris. Je ne négocie pas avec les terroristes. Qu'est-ce qui t'arrive ?
T'es avec moi. De toi là. Tu préfères la nuque? Hein? T'es sûr que tu vas pas lui briser? Tu préfères la nuque ou la tête? T'es sûr ou pas? Quoi, tu veux le faire? Vas-y, je t'en prie. Tu veux le faire? D'accord, tu le fais. Bon, excuse-moi pour tout à l'heure. C'est juste que t'as peur. Hey. Sur le plateau de TVI4, votre chaîne de l'information. Avec nous aujourd'hui, un sénateur et président de la FPF, la Fédération des patrons de France. Bonjour, monsieur Thierry Cortal. Bonjour. Alors tout d'abord, j'aimerais revenir sur votre actualité, votre proposition de loi qui vient d'être rejetée à l'Assemblée nationale. Ah, je pensais que vous alliez plutôt aborder l'insécurité grandissante dans notre société, mais bon... Bien sûr, nous y reviendrons. Mais si vous pouviez, pour nos téléspectateurs, resituer le cadre de cette loi. C'est très simple. Quiconque séquestre un patron doit être lourdement puni par la loi. Vous pensez pas que c'est un peu disproportionné pour une séquestration? Écoutez, soyons clairs, madame... Lafitte, pardon, madame Lafitte. Il s'agit d'actes terroristes. Et si l'on veut éradiquer ce fléau... Nous devons nous donner tous les moyens nécessaires. De là à proposer des peines qui sont aussi lourdes que celles encourues pour les peines de crimes de sang. Je vous le répète... Tous les moyens nécessaires. C'est pas grave. On va terminer ce qu'on a commencé. Et après, on va empocher le pactole. Il y a un souci? Non, on discute, c'est rien. Et toi? C'est fait. Parlons. La sécurité de ceux qui créent de l'emploi dans notre pays. C'est un peu simpliste, non, monsieur Cortal? C'est caché. Ben, c'est un peu simpliste pour vous, peut-être, madame Lafitte. Ils sont où? On peut plutôt penser à des actes de résistance. Hey, respirez. Nous parlons quand même de personnes qui sont en situation précaire. Qui ont souvent des familles à nourrir. Et les patrons n'ont-ils pas des familles? Qui s'inquiètent pour eux quand on les séquestre? Réveille-toi! Et je fais confiance aux Français pour différencier le bien du mal.
C'est pas de ta faute, non? Qu'est-ce que t'as fait? Vous avez fait tous les deux, putain! Mais laissez ça. Tu fais quoi là? Y'a un traître ici, tu le sais. Mais t'as complètement pété ouais, le dos. Ouais, je crois voir. Maintenant tu piques tes poches, espèce d'enculé, toi aussi. Satisfait? Non. Tu vas quitter ton sac maintenant. Dégage. Allez viens quoi. Nous venons d'apprendre à l'instant que l'un de nos journalistes a reçu une vidéo nous apprenant la séquestration de Monsieur Jacques Mercier, le patron de l'usine Morilex. Nous souhaitons vous prévenir que les images qui vont suivre sont particulièrement choquantes et qu'il serait préférable d'éloigner les enfants. Monsieur le sénateur, une réaction à ces images ? C'est tout simplement... horrifiant, tout simplement horrifiant. Je pense bien évidemment à la famille de Monsieur Jacques Mercier, à ses amis. Et je pense que... Excusez-moi, je... Mon fric ! Suivez-moi. Qu'il puisse s'agir d'anciens salariés de l'usine Morilex. Comptez me parler d'un acte de désespoir, Madame Lafitte. Il semblerait que ce ne soit pas un acte gratuit. Dépose la cause, c'est inacceptable. Je suppose que vous comptez proposer de nouveau votre proposition de loi au Parlement. Et je vous garantis que cette fois-ci, elle sera acceptée. Nous venons d'apprendre l'interpellation d'Alexandre Carrier. Selon les premières informations, cet ancien employé de la société Morilex...